Salut tout le monde, c'est Thomas Soli, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12 du Let's Play de G-Stars Victory Versus. Alors dans le dernier épisode, on s'était laissé juste après avoir traversé cette petite barrière là, donc c'était l'aventure de Toriko, n'oublions pas. Donc voilà, on s'était laissé juste après traverser la barrière. Et donc là, on doit se rendre tout simplement ici. Donc c'est à l'endroit de Seiya, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, l'histoire c'est la même, sauf qu'en fait les héros changent, hein, et que aussi à la fin on affrontera le double de Toriko, Goku et Zebra au lieu de Luffy. J'avais qui déjà? J'avais Luffy, Ace et Seiya. Voilà, donc en gros c'est juste ça. C'est pour ça que d'ailleurs que dès qu'on aura fini l'histoire de Toriko, on n'en fera pas d'autres, on partira sur d'autres concepts, et puis je trouve que ça sera mieux. Comme ça on va le passer, enfin on va faire un combat je pense. Et voilà. On va prendre... Bon, on va garder Zebra pour ce combat. Et voilà. Allez, c'est parti. Je fais la petite barrière. Avec Zebra on peut spammer la barrière, c'est un truc de dingue. Donc ça c'est... Ah d'accord, ah la fixe ça enlève. Oh mais Zebra il fait super mal. Bon, on va bouffer un peu. Ah si, ça vient vers moi là. Je t'ai vu arriver Medaka. Tu crois que je... Alors déjà, je mets un mur, je charge une attaque. Je te la mets à la gueule. Mais ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Le seul inconvénient, on va dire, mais bon, vu la puissance, c'est que il est essoufflé après Zebra, donc. Mais elle bouge pas. Je peux l'attaquer comme je veux carrément. Voilà, je te fais une shot alors. Allez, c'est parti, Victory Burst. Je vais pas le faire de suite parce que bon, elle a pas beaucoup de vie. Je vais peut-être la tuer puis après le faire. Ah. Allez, tac. Voilà. Parce que voilà, ouais, elle avait vraiment très peu de vie. Et je rêve. Ouais, il galère. Ah non, il galère pas du tout. Je sais pas si je touche, mais bon, on va voir. Je touche pas. Alors que j'étais sur lui. Non, ta mère, viens. Déjà barrière et ensuite je viens vers toi. Prends-toi ça. Et ben je peux pas en refaire une d'attaque, donc c'est pas grave. Allez, on va en charger une là. Allez, prends-toi ça, Medaka. Oh là, les dégâts, mais c'est hallucinant. Oh, encore le Victory Burst. Bon, là, deux fois, c'est cool. Je vais peut-être essayer de lui mettre pour la tuer. Jusqu'à ça avance un peu. Ouh, putain. Ah non, ça, j'aime pas du tout. Ah, là. Ça peut passer. Je suis pas sûr. Vegeta, déjà, ça passe pas parce qu'il est au corps à corps. Donc. Ah bah si, c'est passé. C'est passé sur Medaka. Elle est... En fait, elle est bizarre, cette technique. Je comprends pas trop encore la portée, etc. Bon, c'est passé, c'est essentiel. Genese. Zebra. Donc voilà, bon, les combats ils sont simples. C'est vers la fin qu'ils sont un peu plus réactifs, on va dire. Qui commencent à faire un peu des permutations et tous les ennemis. Bon, là ils font rien, ils bougent pas. Oh, on a gagné un fragment de je sais pas quoi. Voilà, donc maintenant, on va en bas. Putain, c'est vrai que on n'a pas le bateau qui peut tout traverser. Il n'est pas encore bien haut, là. Putain, il faut bien que je contourne. Voilà. Ah oui, ça. Bon, mais ça, en fait, c'est que des combats de... C'est en gros des flashbacks.
C'est on se bat avec d'autres personnes en fait. Bah, je vous ai déjà montré dans l'histoire de Luffy de toute façon. Voilà, on va dans la tour de Karine, parce que c'est là qu'on doit aller. Ça va, Goku. Alors là, on peut faire des combats super compliqués là. Dans la tour de Karine avec triangle, mais. On va pas les faire de suite parce que. Parce que je vais attendre d'avoir un perso que j'aime bien, genre Luffy ou IE, parce que c'est plus facile. Parce que ouais, c'est vraiment... Bah déjà, en ennemi, on a Akainu, on a soit Akainu, soit Rao, soit le bébé là, soit Kuro-sensei, je crois. Mais en fait, le problème, c'est que Rao et Akainu, ils font masse dégâts, et du coup, il faut savoir prendre les persos contre genre Luffy fait aussi masse dégâts donc. Ah, on va peut-être affronter quelqu'un là. Il nous rentre dedans comme ça quand même. Ah ben voilà, c'est lui qu'on affronte. C'est lui le bébé. Tenerawa, il fait le fou hein, ce Mino quand même. On va prendre un petit Goku. Donc, pour montrer aux gens qui croient que j'ai plein de persos, non. J'ai que ça pour l'instant. Voilà. Qu'on me sorte pas. T'avais ce truc, nanana. Donc là, on a Goku, on se bat sur Konoha. Oui, et puis voilà. Oh, Natsuna Awakens, qui va plutôt bien. Alors, oh non, on va remettre ce Super Saiyan. S'il me laisse faire, bien sûr. Non, il va pas me laisser faire. Si, en fait, oui. Donc, allez, c'est parti. Voilà. Voilà, je te fais un petit combo. Alors, Goku qui fait aussi pas mal de dégâts. Hein. Donc, je pourrais tenter, mais c'est pas comme Luffy. C'est un peu plus dur. Voilà. En fait, on l'a démonté. Hein. Allez, relève-toi. On a même pas. Oh putain, on a même pas eu le Victory Burst. Vas-y, tue le Toriko. Voilà. Maintenant, moi, je me mets en Super Saiyan. Voilà. Il est où? Ah, il est là. Putain, mais moi, je veux faire la permutation. Hein. Bon, on va lui envoyer le Genki Dama carrément. Allez, je m'approche. Et voilà, le Genki Dama, c'est parti. Moi, j'ai pas touché. Je le refais. Parce que voilà, je suis un fou. S'il te plaît, passe. Et il est passé. Allez, bim, prends-toi ça, voilà. T'as la haine. Et tu meurs avec le Kamehameha, voilà. Il est super bien fait le Kamehameha dans ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve super bien fait, en tout cas. Tsundekoyo. Mate kana. T'as la voix de Goku, elle est énorme, ça. On commence à gagner quelques points quand même. Bon, maintenant qu'on l'a affronté, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, on doit tout simplement aller au truc de Medaka. Ouais, c'est le truc de Medaka ici, je crois. Ouais, c'est ça. Zenkichi. Voilà. Oula, maintenant on doit aller carrément tout en bas au volcan. Non, putain, je voulais pas combattre, mais c'est pas grave. On peut pas quitter ou quoi.
Non. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Genkai. Ah ben non, j'ai eu faux la question de Genkai. Bon, tant pis. Bon, on va les démonter rapidement. Là, on va... Déjà, on va mettre par Saiyan. Voilà, le combo. Ça, c'est parfait. Allez, je vais te reprendre un combo. Goku est super plaisant à jouer, moi, je trouvais. Alors, Zebra, il va peut-être le tuer. Ah ben non. Voilà, là, tu meurs. On met le Victory Burst, moi et Toriko. N'empêche, Toriko, il a la même tenue que Luffy. Sauf qu'en fait, c'est un bûcheron. Oh, il le touche, je pense. Ouais, nickel. Bien joué. Je lui mets un Kamehameha. J'ai essayé de lui mettre un Kamehameha. Ouais, je l'ai eu avec le Kamehameha, du coup. Oh là là, les dégâts. Ah, non, tu me laisses. Ouais, il m'a fait un combo de dingue. Oh, en gros, il m'a fait le combo carré, je suis con. Il m'a juste fait le combo carré. À moi de faire le Genki Dama maintenant. Voilà. Maintenant, on met le Super Saiyajin. Matana. Pas mal de dégâts aussi, hein, le... Et allez, bim, caméra téléportation dans ta gueule. Matekana. Donc voilà, on a fait plutôt vite le combat. Allez, on continue notre route. Ça aussi c'est chiant, genre en vaut. En fait là, avec la vue qu'on a, en fait, on peut pas bouger la carte. Donc en fait, genre quand je navigue comme ça, je peux pas voir s'il y a des ennemis. Du coup, ben, je peux pas les esquiver. Regardez, par exemple là, voilà, c'était de justesse carrément. Et en plus, eux, ils viennent vers toi. Hein. Alors là, eux, ils ont faim. Hein. Allez, il y en avait un encore. Et on les voit vraiment à la fin, du coup, c'est chaud. Alors, c'est ici, voilà. Et là, il va falloir améliorer encore le bateau pour monter et passer au-dessus de cette lave. Et on va devoir trouver un objet, je crois, c'est là. Watsuna ! C'est Nayoshi. Mena ! Bon. On va là-bas, à l'étoile. On va encore améliorer le bateau. Là, je crois qu'on va aller au monde d'Aizen. Enfin, à la Soul Society pour... On va aller à la Soul Society pour améliorer le bateau, je crois. Si je me souviens bien. De toute façon, quand on va ici, c'est que pour la Soul Society, j'ai remarqué. Rien d'autre, quoi. Voilà, vous voyez, on voit le Saichi là. Alors, voilà. On va là. Je pense qu'on va faire un combat. Je pense qu'on va en faire un. Et si on affronte Killua, il va peut-être nous rejoindre en fait, Killua. Ça serait cool qu'il nous rejoigne. Mmh.
Le flic là, il faudrait que je le joue. Parce qu'en fait, il est super. Il est avec son. Avec son boss guy, il est over cheat. Mais genre, je l'ai jamais joué. Du coup, ben. On va changer en Puerto Rico. Du coup, ben, j'aimerais bien tester, voir. Hein. Voir vraiment ce qu'il y a d'abusé, quoi. Parce que c'est vrai que quand je joue contre. C'est un peu abusé quand même. Bon, on va bouffer un tout petit peu. D'accord, on va trouver un moyen caméra direct. Alors là, je suis en train de donner fin à tous les gens qui regardent la vidéo. Voilà. Prends-toi ça. Alors, Toriko, il aussi, il a des gros combos. Il faudrait juste que je les apprenne. Alors, j'ai l'impression qu'il allait faire ça, lui. Oh, 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 non. Oh, bien joué, Zebra. Alors, là, voilà, je bloque. Et maintenant, voilà, tu te prends ça. Plus un Flying Fork. Et voilà, il est mort. Nickel. Maintenant, on va mettre le Victory. Voilà, c'est cette roquette-là. Vous voyez? Bon, là, encore, il m'a pas fait de dégâts parce qu'il m'a pas bien touché, mais... Bah déjà elle est téléguidée donc c'est abusé. Oh, il fait une Genki Dama. Il le rate, je crois. Bref. Ah mais il le fait deux fois. Putain mais laisse-moi faire ma technique. Bon. T'as touché, donc je vais bien te pardonner. Maintenant, qui lui a? Prends-toi ça. Lol. Bon, je fais son combo simple, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Putain, mais je vois pas du tout les combos avec Toriko. Ah, putain, il a mis invisible. Faut taper dans le vent là. Ah non, c'est bon. En fait, on voit ses traces de pas au sol. Donc, faut faire attention à ça. Mais moi, je suis trop nul pour repérer les traces de pas. Donc, c'est compliqué. C'est pas tapé le mur là-bas. Voilà, on a gagné. Bon, Toriko, il est cool à jouer. Il fait pas mal de dégâts en plus. Et ah non, pas un niveau. Je pensais qu'on allait passer niveau 38, mais non. Bon, là, on a encore gagné un truc. C'est pour le bateau cette fois-ci qu'on a gagné. Et donc là, normalement, on va aller plus haut. Donc, on aura l'aileron, je crois. Ouais, voilà. Les deux ailerons là qui vont nous faire aller plus haut. Et donc voilà. Mais bon, quand on voit ce que va devenir le bateau à la fin, quand même, c'est assez hallucinant. Ah voilà, une deuxième amélioration de bateau en plus. Bon, allez. C'était pas une amélioration de bateau ce qu'il nous a donné? C'était pas le truc. Ah non, j'ai confondu, mais. Bon, mais c'est pas grave. On va ici. Nanana. Alors maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il va encore nous amener, je sais pas où, je pense. Ah
Bah lui c'est le... Ouais lui c'est le mec avec la main chelou là. On va garder Toriko pour ce combat, on va pas se casser la tête. Bon, bon, info, question de Belzébub. Allez, c'est parti. En fait, on passe à travers et moi je m'obstine à sauter à chaque fois. Voilà. Ok, Flying Fork, ça passe pas donc. Hop là. Ah putain, mais ça, on peut pas le bloquer en plus. Hyper chiant. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Non, c'est comme ça. D'accord, il y a un combo à faire comme ça. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Et un Flying Fork. Ok, ça c'est cool. J'ai trouvé un combo. Bon. Oh, l'esquive. Ah non, là par contre, il n'y a pas d'esquive du tout. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut le charger là. Le... On va essayer de manger un peu pour pouvoir le charger à fond. Mais je sais pas si je vais toucher. Gutiso sama destra. Il est où? Il est là. On va essayer de le charger, mais il va me taper, je pense. Ah, mais voilà. Parce que voilà, l'ennemi ne me laisse pas faire. Oh, et j'ai envie de voir si ça se cherche plus que ça, en fait. Non. Non. Non, ça cherche pas plus que ça. Pas plus que ce que j'ai chargé, donc on va pas insister non plus. Alors, tape, voilà. Oh, Goku, il a démonté. On va lui placer l'ulti. Tokita! Ah putain, il fait Genki Dama. Putain, mais Goku, je le mets plus avec moi. Il prend toutes les techniques carrément. En plus, il a même pas. Voilà. À mon tour maintenant. Voilà. Moi aussi, j'ai envie d'attaquer. Prends-toi ça. Il va mourir tout ça. Regardez la grosse fourchette. Fourchette couteau. Alors, tac, tac, voilà. Et là, on passe à niveau, quand même. Et voilà, level up. Il y a Goku et Zebra qui sont devenus méchants. Et donc je me retrouve avec lui, d'accord. Ouais, il est venu avec moi. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que déjà, on n'a pas d'indication. Et puis je me rappelle plus ce qu'il faut faire, donc je vais chercher. Et puis bah, ça fait quand même 24 minutes de vidéo. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode numéro 12 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook. Il y a les liens dans la description, comme d'habitude. Moi, je vous dis à plus pour l'épisode numéro 13. Bye tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao. Kung Fu Ricks!